Salut tout le monde, c'est Kojaru et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play. Vous le voyez peut-être si vous avez un minimum de culture, mais le let's play en question est lié à mon fond d'écran. Ce sera Digimon Story Cyber Sleuth, qui est un jeu donc de PlayStation 4, qui m'a été fourni donc avec deux thèmes. Et qui s'avère bien sympathique. J'ai pu le tester un petit peu, mais alors vraiment très vite fait, hein, hier, parce que je viens de l'acheter. Et ça m'a l'air sympa, donc ce sera un RPG basé sur l'univers de Digimon. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est Digimon, Digimon c'est ça. Voilà, donc tu vois, ça envoie. Digimon, c'est un peu l'alter ego de Pokémon. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, il y avait ces deux univers qui existaient, qui sont semblables et en même temps vachement différents. Pokémon est d'origine un jeu qui est devenu un animé, et Digimon est un animé qui, par la suite, est devenu des jeux. Enfin bref, l'univers s'est étendu, mais de base, c'est vraiment un animé. Alors dans les deux, on a des enfants qui vont dresser des monstres
et qui vont les utiliser pour faire des combats, etc. Donc c'est vrai que de prime abord, on pourrait dire, putain, c'est vachement semblable, lequel des deux a copié sur le premier, va savoir, on sait pas trop. Après, y a, on va dire que tout le monde le sait, c'est pour ça que je suis obligé de vous expliquer. Pokémon a vachement pris le dessus sur Digimon, en tout cas en Europe. En Occident, tout le monde le sait, tout le monde l'a remarqué, on entend beaucoup beaucoup parler de Pokémon tous les ans, nouveau jeu et tout, la nouvelle série, oh là là, c'est ouf. Alors que bah, Digimon, c'est un peu tombé dans l'oubli. Moi personnellement, j'étais beaucoup plus Digimon que Pokémon, et encore à l'heure actuelle, je suis toujours plus Digimon que Pokémon. Pour un truc assez simple, vous allez le comprendre quand on va jouer au jeu, c'est pour l'histoire. L'histoire est complexe, elle est complète. Mais surtout, les enjeux sont présents, ils sont gigantesques. Enfin, c'est pas du tiens, tu es un petit garçon, je te donne un Pokémon, va devenir le plus fort du monde, et puis voilà, tu vois, c'est un peu léger quand même. Hein. Tu veux devenir un champion, bah tu vas devoir affronter les champions d'arène, etc. Blablabla. Oh là là, il y a des méchants, bah c'est pas grave, tu leur jettes ton Pokémon à la figure, tu vois. C'est des mecs de la mafia, ils pourraient te tirer dessus ou quoi, mais non, ils te balancent un Smogogo, et puis tu vois. Non. Donc, par contre, pour ce qui est de Digimon, là, tout de suite, on est dans un univers, bon, on va pas dire dark, mais disons que les enjeux sont plus présents, quoi. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Digimon Adventure 1 est la première saison, en fait, de Digimon qui est sortie, en fait, en animé. Et ça parlait, donc, de 7 enfants, ça commence comme ça. C'est 7 gamins qui sont en colonie de vacances avec plein d'autres, hein. Mais ils se retrouvent à 7 à un moment, et là il y a une espèce d'aurore boréale dans le ciel, alors au plein milieu du Japon, hein, ce qui est totalement inhabituel, surtout en plein jour, alors qu'il fait pas froid. Enfin, d'un seul coup, on est en plein été, il se met à neiger, aurore boréale, un petit tunnel qui apparaît, un petit trou noir qui apparaît dans le ciel, et ils se font tous aspirer. Ils finissent dans le Digimonde, ils tombent sur des petites créatures spéciales qu'on appelle des Digimon, qui leur dit « Mais on vous attendait, je connais ton prénom, ça fait depuis je sais pas combien de temps je t'attends, et tout bordel. » Bref, ils se font attaquer, les monstres évoluent, enfin on appelle ça une Digivolution, donc ils changent de forme, ils passent de leur stade en entraînement à leur stade disciple, ou inversement, je ne sais plus, j'ai perdu un peu les notions. Et donc du coup, ils se digivolvent, oh mon dieu, ils sont capables de transformer et tout, ah, ils nous défendent. Et puis bah, ils se battent contre un gros truc A7 en fait, et ils arrivent à le défoncer, ils tombent dans le trou, enfin bref. Plus tard dans l'histoire, on apprendra que les 7 enfants sont en fait les Digisauveurs, c'est-à-dire des enfants qui ont été élus de par l'histoire directement, ils ont reçu des pouvoirs, voilà quoi, ils ont été élus pour dresser les Digimon, qui eux-mêmes en fait ont été créés pour leur être attribué, c'est-à-dire que chaque Digimon est attribué à son dresseur, enfin à son Digitamer, on appelle ça, Digidresseur, et va lui permettre, grâce à un appareil qu'on appelle un Digivice, de se digivolver, d'évoluer, de combattre avec lui, et les enjeux sont là, c'est-à-dire qu'en fait, le Digimonde est directement relié au monde réel, parce que c'est en gros deux univers parallèles. Mais les deux sont reliés et sont liés ensemble parce qu'on peut attribuer le Digimon au monde réel comme étant le monde informatique que l'on connaît. Admettons que deux univers parallèles puissent être reliés, admettons l'existence des univers parallèles. Tel qu'on pense les univers parallèles, on s'imaginerait que le monde parallèle au nôtre est un monde similaire, complètement identique, mais les villes se situeraient au même endroit, etc. Mais où certaines choses changeraient, un monde miroir par exemple, où par exemple le bien devient mal et inversement, le haut devient bas, ce genre de conneries. Ici on a un monde en fait qui est parallèle, mais en même temps qui est relié directement au système informatique du monde, c'est-à-dire que si il se passe un truc dans le Digimonde, ça va impacter directement le monde réel de par les réseaux informatiques. C'est un peu comme si Megaman quoi en fait, tu vois. Il y a un monstre qui attaque à tel endroit dans le Digimonde et puis putain merde, ça a des impacts dans le monde réel. Si bien que, d'ailleurs, au fur et à mesure de l'histoire, le monde réel et le Digimon finiront par fusionner, ce qui fera que les Digimon pourront apparaître dans le monde réel. Les combats dans une ville de Tokyo ou quoi, vous expliquez un peu le bordel. Je vous explique pas le bordel, je vous laisse imaginer, c'est un peu explosif. Et donc voilà, donc pour moi, j'ai toujours trouvé Digimon beaucoup plus intéressant parce que c'était plus mature. On parle ici quand même d'un
d'un univers où les enfants de 10 ans sont expédiés dans un monde parallèle, s'affrontent contre des créatures mais complètement gigantesques, gargantuesques et démoniaques, et où une organisation donc de Digimon veut carrément prendre le contrôle du monde, mais pas que de celui-là, veulent aussi prendre le contrôle du monde réel parce qu'ils savent très bien que les deux sont liés. Ça parle de destruction, ça parle d'élus, ça parle de destinée, de voilà quoi. Donc il y a des vrais... Bon, quand t'es enfant, forcément, toi, tu vois des Pokémon, ils sont là, ils sont tout gentils, tout mignons, kawaii, destiné, machin, et tout, et tu te dis, putain, ouais, quand t'es un petit enfant, t'es là, t'es avec la console, tu joues à Pokémon, ouais, c'est cool. Mais alors, en fait, quand tu prends du recul, tu vois que Digimon est beaucoup plus profond en termes d'histoire, et on n'est pas là pour devenir le meilleur du monde, mais on est là vraiment pour sauver le monde, et c'est déjà un bon point. Je pense pour moi au niveau des Digimon. Maintenant Digimon au Japon ça s'est jamais arrêté, on doit être à la 7ème saison. Vous voyez à l'écran il y a plein de Digimon qu'on n'a jamais vu en France. Celui qui est au milieu, si vous avez plus ou moins mon âge et que vous étiez intéressé à l'époque, c'est Omegamon si je dis pas de bêtises. Ça doit être ça. Et donc c'est la diffusion entre WarGreymon et Metal Garurumon dans le premier film de Digimon. Ah ouais, ça devient complexe, hein. Donc oui, ils sont carrément capables de fusionner, etc. Maintenant, les autres, si vous êtes comme moi, vous vous êtes arrêté peut-être à la deuxième ou la troisième saison, vous les avez jamais vus de votre vie, mais c'est pas grave, ça va rien changer, parce que ici on part sur une histoire, donc on revient sur le jeu. Ça y est, j'ai fini de vous expliquer un petit peu l'univers de Digimon, etc., et de vous passer ma passion et tout. Du coup, on va revenir plus sur le jeu, et donc ici, en fait... Le jeu n'a rien à voir avec le scénario de Digimon en général. Ça va pas reprendre l'histoire de la première, de la deuxième, de la troisième, blablabla, jusqu'à la septième. Ça va reprendre aucune histoire de Digimon. On part sur une histoire complètement nouvelle, qui va même d'ailleurs bouleverser un peu la façon dont on voyait Digimon jusque-là, puisque ici... Bon, j'y ai joué vite fait, pas de Digivice, pas vraiment de monde parallèle, mais plutôt un monde informatique vraiment... Enfin, vous allez voir. Donc, on va lancer le jeu. On va lancer le jeu. J'ai d'ailleurs pu observer que Ogure Ito, donc Ogrit, le mangaka de Enfer et Paradis, Erjin, etc., a designé quelques créatures sur ce jeu. Alors vous dire lesquelles, j'en suis incapable, mais il a effectivement été chara-design pour des créatures apparemment dans le jeu. Le jeu voilà, est sorti pour le 15e anniversaire de Digimon, et bon, il a subi un beau lifting, en liaison justement avec la saison de Digimon Adventure 3. Donc il reprend l'histoire des deux premières saisons de Digimon, on reprend les mêmes héros, mais beaucoup plus tard quoi, ils sont à l'université, etc., etc. Donc alors, Digimon Story Cyber Sleuth. Après c'est Nibuten, ok, alors le jeu est en anglais. Si vous étiez là encore à l'époque de Playzemol, donc c'était ma première chaîne pour ceux qui débarquent là maintenant, j'étais avec Brian et aussi avec un autre gars, ça s'est mal passé, bref... On a fini par se séparer et aujourd'hui j'ai ma propre chaîne. Donc à l'époque j'avais commencé un let's play sur Digimon Adventure 1 sur PSP qui retraçait l'histoire de la première saison. Donc alors pour ce qui est de Digimon Adventure 1, à l'époque quand j'avais fait ce let's play, pour ceux qui l'avaient vu, effectivement il était en anglais aussi et je faisais de mon mieux pour traduire. On va faire la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que tout va être écrit en anglais. Alors je suis... pas mauvais du tout en anglais, mais j'ai pas la prétention de connaître tous les mots de vocabulaire et d'être une bête, donc je vais peut-être mettre un peu de temps à vous traduire, il y a peut-être des phrases que je ne saurais même pas vous traduire, mais je vais faire en sorte que vous compreniez le mieux possible l'histoire, que vous puissiez suivre ça avec moi, et si jamais vous voyez que je fais des fautes gigantesques et que du coup ça veut plus rien dire, corrigez-moi dans les commentaires, ça m'arrange, et à ce moment-là je mettrai des annotations en rapport dans la vidéo au bon moment pour que les gens puissent avoir une connaissance de la bonne traduction. Donc new game. Alors change option, blablabla, option can be changed later. Bah, on va mettre oui, on va changer les options, on va regarder un peu. Alors déjà oui, je veux ça. Et battle cutscene normal, battle difficulté normal. Alors, on peut jouer en normal ou en hard. On va jouer en normal parce qu'on est là pour faire un let's play, donc on n'est pas là pour se casser la tête. Et en fait bah non, ça va, y a rien à changer. Alors c'est parti. Ok. Donc joyeux chat, connexion. Sélectionner une salle de chat. Donc notre personnage c'est Ayoba. Enfin en tout cas le pseudo de notre personnage sur internet c'est Ayoba. Donc là on se connecte sur un serveur privé. Il tape son password. Tranquillou.
une petite connexion. Donc en fait au début ça va être, je l'ai fait, hein, donc ça va être un gros enchaînement de cinématiques. Donc là j'ai aucun contrôle sur les dialogues, donc va falloir que je traduise assez vite. Salut, ici Shoot Eyeless. Bah bref, là bon, voilà, les gens en discutent sur le chat, à la limite c'est pas très très important. Hein. Oh, j'ai tellement faim, mais c'est bon, on s'en fout, tu vois, c'est pas grave. Voilà, et donc il y a Yuki et Aichi. Oh, t'as regardé la télé hier? Ouais, c'était vraiment génial. On s'en fout. Hein. Et là, c'est vraiment ces personnages-là qui vont nous intéresser. Hé, hey, les gars, vous avez déjà entendu des parler des Digimon? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, tu parles du programme Digimon, c'est ça? Ce sont des dangereux programmes utilisés par les hackers. Donc voilà, déjà l'histoire change un peu. Dangereux, mais pourquoi vous dites dangereux et à quel point exactement? Ouais, il peut passer à travers les sécurités, voler des données et entrer des mots de passe protégés sur les chats. Ces programmes peuvent faire plein de choses dégueulasses, machin, voilà. Ah, Digimon, c'est vraiment pas bien. Ah, mes amis, voilà, s'est fait hacker son compte. Oh mon dieu, ah, c'est pas grave. Ah, dans certaines zones, les Digimon, machin, blablabla. Bla, bla. Attendez, les Digimon peuvent bouger. Oui, il semblerait que ces programmes ont des avatars, etc. Oh, on dirait des Digimon, comme des monstres digitaux, oui, exactement. Alors, Mister Navit vient de se connecter. Alors, Mister Navit qui est donc, apparemment, ils vont l'expliquer, mais un avatar officiel du chat sur lequel il se connecte. Et en fait, cet avatar s'est fait pirater. Donc, ils sont sur un chat du réseau qui s'appelle le réseau Eden. Eh hey, salut, qu'est-ce qui est code neuf les gars? Bien sûr, on me parle sur Skype. Putain, non mais non. Ah, c'est grave ça. Est-ce que c'est un hacker réellement et tout? Oh là là. C'est clair, je suis Monsieur Navit, le hacker. J'ai un super cadeau pour vous, soyez sûr de vous loguer à Eden demain. N'oubliez pas, si vous ne soyez pas là, je vous hackerai. Si vous n'êtes pas là demain, je vous hackerai. Allez, ciao ciao. Putain, Navit, c'est déconnecté. Donc s'ensuit une conversation. Oh bah bah bah, c'était vraiment un hacker, etc. Donc en fait, bon, ils vont discuter entre eux. Ils vont essayer de... Ouais, elle est vachement excitée par le truc et elle veut aller voir absolument le lendemain si c'est bien un hacker, qu'est-ce qui va se passer s'ils y vont, etc. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, vous avez tous peur, etc. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a que 3 qui vont vouloir y aller. C'est Akino, Blue Box et donc notre personnage, Ayoba. Bon, c'est pas Ayoba, on va pouvoir lui donner un nom, etc. Mais c'est son pseudo sur Internet. Et les autres vont se débiner et ils vont pas vouloir y aller. Donc je vous traduis pas les phrases exactes, mais vous avez compris l'idée. Il y a que ces 3 personnages centraux qui vont vouloir vraiment se déplacer, et les autres n'iront pas. Ah non, moi j'y vais pas. Ah non, moi non plus. Donc voilà. Et donc bah nous, on y va. Tu vois. Je montre bien que c'est toi, hein, parce que du coup on fait bien un zoom sur ta gueule. Bref, on se déconnecte, et bon, voilà, blablabla, bla bla, et puis après, bon, la discussion continue, les gens se déconnectent du chat, voilà, bref, et le lendemain, ils vont se connecter. Bien sûr, c'était logique. Alors, du coup, on va pouvoir créer son personnage. Donc, alors, il faut qu'on choisisse déjà entre un homme ou une femme. Alors... Les personnages se ressemblent quand même sensiblement, mais voilà, on a un homme et une femme. Donc déjà, c'est ce que je disais, pour ceux qui ont connu les toutes premières saisons de Digimon, le chara-design a énormément changé en 15 ans, ça fait quand même 15 ans. Et donc maintenant, ils sont sur un style beaucoup plus lifté, beaucoup plus comment dire, épuré en fait. Enfin, ils essayent de vraiment se rapprocher du style manga qu'on a actuellement. Il faut savoir que le manga est fait par Strat. Pour ceux qui connaissent pas trop, mais on sait que tous les 10 ans, plus ou moins, le style graphique général change. La population, enfin, les générations n'aiment pas les mêmes choses. La population change en fait d'avis sur les mangas. Et donc vous pouvez comparer un manga des années 80 à un manga d'aujourd'hui, vous allez faire « Oh mon dieu !» Et oui, effectivement, ça n'a absolument pas le même style. Chaque mangaka a son propre style, mais plus ou moins tout est régi par un style général défini par les générations en fait. Donc voilà, 15 ans après, forcément, il a fallu changer un petit peu les graphismes du truc. Hein. Donc on va faire un mec, hein, parce qu'on est un mec. Et on va pas l'appeler Takumi.
on va l'appeler Kojaru, parce que voilà, c'est logique, c'est pas évident. Hop là, et on va se connecter. Donc du coup, on était en fait bel et bien sur le réseau Eden, mais on était connecté dans une chatroom. Donc on avait un petit avatar mignon tout con. Mais en fait, sur le réseau Eden en tant que tel, on peut se connecter avec un avatar physique qui nous ressemble personnellement. Donc c'est un peu Digimon à la sauce Sword Art Online en fait. Hein. Comprenez ça comme ça. Ah, c'est un monde virtuel, un métaverse. Qui est une révolution dans les services d'une nouvelle génération de contenu digital. On peut faire du shopping, on peut regarder des films, blablabla, bla, bla, bref. Donc en fait c'est une réalité augmentée si vous voulez. Si on attend encore 10-15 ans, peut-être que dans le monde réel ça finira par arriver, j'en sais rien. Mais comprenez que ni plus ni moins les gens mentalement sont dans cet univers. C'est de la réalité virtuelle par avatar en fait. Tout est accessible à partir de ce cyberespace, blablabla. Tout ceci a été créé par la Kamishiro Enterprise. Oh mon dieu! Mais qui est Kamishiro? Bah, on sait pas. Voilà. Et donc, bah, ça c'est nous. Et donc, bon, les cinématiques sont quand même pas mal. Alors, j'en ai pas vu beaucoup, des vraies cinématiques, hein, je parle. Mais bon, elles ont de la gueule quoi. Bon, c'est vachement coloré, hein. Faut s'imaginer un peu le truc. Peut-être que si nous aussi on avait un monde de réalité augmentée, ça serait dans ce genre-là. Ah, c'est ici qu'on s'était promis de se rencontrer. Je suis un petit peu en avance par rapport à ce qu'on s'était dit. J'espère que Akino et Blue Box ne sont pas encore là. Ou alors ne sont pas déjà partis. J'ai pas trop eu le temps de lire, j'ai passé assez vite. Ah, ça va être la première fois que je vais les rencontrer en dehors de la salle de chat. Je ne connais pas leurs avatars, je ne sais pas à quoi ressemblent leurs avatars en plus. Mais je devrais être capable de les reconnaître. Alors, je vais essayer de discuter un petit peu avec les avatars d'Eden dans la zone. Ouais, parce que du coup il veut chercher ses potes et comme il connaît personne et qu'il sait pas la gueule des avatars de ses potes, bah voilà. Donc en fait en gros ça vous force à parler aux gens qui vous racontent des trucs dont on se bat complètement les couilles. Là ici on a un creepy hacker qui ne veut rien dire, donc c'est bel et bien un vrai hacker. Hein, et le mec, bon, creepy hacker quoi, direct. Le gars il te l'a catalogué, ou alors c'est son pseudo, mais alors dans ce cas là c'est voilà quoi. Abuser de s'appeler creepy hacker. Généralement les hackers veulent pas vraiment se faire remarquer, mais c'est pas grave, on dirait que dans le monde de Digimon ça passe. Et donc du coup ouais, c'est un peu la fusion comme je disais entre Digimon et Sword Art Online. Du coup on se retrouve avec un mec qui est dans une réalité virtuelle et vous allez le voir qui en fait aura du mal à en sortir. Enfin il va se passer des trucs quoi. Blablabla, bla, bla, ça parle de rumeurs, d'un fantôme blanc, etc. Bon, vous verrez plus tard de quoi il retourne exactement. Bon, les dialogues sont pas vraiment intéressants, et puis il y a beaucoup de personnes à qui parler, là, on est dans un tuto. Alors je vous le dis, le tuto va durer toute la vidéo. Hein. On va pouvoir commencer à sauvegarder quasiment qu'à la fin. Je ferai une coupure d'ailleurs, parce que, alors là, on a récupéré une médaille. J'ai jamais compris à quoi servaient les médailles. D'ailleurs, voilà, moi, je peux appuyer n'importe où, j'ai du mal à ouvrir les menus, j'ai pas accès à tout. Et voilà, déjà par exemple les médailles, on les récupère, mais où elles vont? Ça doit être là-dedans. Mais est-ce que genre il y a une collection de médailles? Enfin, si c'est le cas, je sais pas à quoi elles servent parce que j'ai pas été assez loin dans le jeu. Donc on va parler aux gens, on est content. Voilà. Ah, on dirait pas qu'il y a des avatars qui leur ressemblent. Je pense que je suis vraiment arrivé ici beaucoup trop tôt, après tout. Bla bla bla. Le mec il attend. Puis après il se dit, ah bah oui, il y a un téléporteur là, je devrais peut-être changer de zone, peut-être qu'ils sont pas ici. Ah, il reste encore du temps avant notre rencontre, je devrais peut-être aller voir dans d'autres zones. Et je m'en vais en courant. Donc voilà.
Bon, c'est vrai que c'est très chiant le fait que le jeu soit en anglais, parce que faut savoir que même si personnellement je suis à l'aise en anglais, c'est toujours plus compliqué de traduire pour des gens, parce que moi je comprends l'idée générale quand je le lis, mais vous le traduire et vous faire comprendre ce que je ressens quand je le lis, c'est différent. C'est difficile de mettre des mots, de transposer l'anglais en français en mot à mot et de mettre des mots exacts sur l'idée que ça transcrit, quoi. Donc je peux vous expliquer plus ou moins ce qui se passe, mais vous traduire mot à mot, c'est un peu compliqué. Alors vous déplacez dans Eden, utilisez la croix directionnelle sur la destination pour choisir votre destination. S'il y a des nouvelles zones que vous avez débloquées, vous pouvez aller, ce sera indiqué par New, ouais, logique. Et vous pouvez aussi vous déconnecter par l'option Logout et sortir de Eden, en fait. Ok, bah moi je vais aller dans la zone 2. Enfin, le tuto veut que j'aille dans la zone 2. Donc les petits objets ramassables au sol apparaissent sous la forme d'une petite lumière comme ça, et souvent, très souvent, ce sera des médailles. Dont on ne connaît pas encore l'utilité, hein, d'ailleurs. Alors, je pense, alors mon My Digivice Talk feature, donc en fait mon appareil de conversation digitale, mon appareil de conversation digitale, ouais c'est ça, Digivice Talk feature, hein, voilà. J'ai un appel en gros. Ouais, qu'est-ce qui s'appelle bien-être? Mais c'est vachement drôle qu'ils appellent ça un Digivice, du coup, parce que c'est l'appareil que les Digisauveurs utilisent, normalement le Digivice, pour faire digivolver leur Digimon. Donc appeler ça un Digivice, c'est assez drôle, mais en fait vous allez voir qu'on s'en servira pas comme un Digivice, en tout cas je l'ai pas encore vu. Hey, salut, c'est moi, Monsieur Navit. Juste une seconde. Attention, tu vas être en retard. Dépêche-toi, je suis viens dans le Galacta Park à Nowloon. Tes deux amis sont arrivés il y a peu de temps et t'attendent. J'ai un cadeau pour toi, mais tout le monde... Mais tout le monde doit être là avant. Bye bye. Ah, Nowloon, mais c'est pas la zone super dangereuse où il y a tous les hackers. Qu'est-ce que je devrais faire? Je dois me dépêcher. Ok, on va se calmer, pas besoin de paniquer. Bah moi je suis du genre calme, hein, donc. Alors c'est pareil, hein, y a des choix, je suis pas sûr que ça influe vraiment sur l'histoire, mais bon. Je me demande ce qu'il veut dire par cadeau. Ok, c'est pas grave, allons à Galacta Park. Ouais mais attends, j'y suis jamais allé moi. Comment je fais pour y aller? C'est où? Ah, il y a sûrement quelqu'un ici qui doit savoir quelque chose à propos du Galacta Park à Nowloon. Allez, je ferais mieux de leur demander. Donc on a débloqué le keyword, donc le mot-clé Galacta Park Nowloon. Alors avant de nous expliquer vite fait ce que c'est un keyword. Voilà, donc en gros, je vous passe le truc, mais vous pouvez parler à des gens qui ont un cadenas au-dessus de la tête et leur donner le mot-clé. Donc il est possible que dans le jeu, je suppose à l'avenir, on ait plusieurs mots-clés et donc il faudra donner le bon mot-clé à la bonne personne pour qu'il nous donne notre information. Mais du coup, voilà, on pourra lâcher du coup ce mot-clé à la personne qui va nous donner une info et qui nous permettra d'avancer dans le jeu. Alors il faudra bien lire ce que la personne nous dit, il faudra bien comprendre ce qu'elle nous raconte. Là on fait comme d'hab, hein. On est dans un RPG, donc même si on lit pas ce que les gens nous donnent, enfin même si on lit pas ce que les gens racontent parce qu'on s'en fout, on prend quand même le temps de leur parler parce qu'on sait jamais, peut-être qu'ils nous lâchent un objet, peut-être qu'ils nous lâchent une info importante, allez savoir. Donc on fait le tour, on discute. Ouais je m'en fous, je voulais parler aux vieux. Un monde utopique quand même, hein. Un vieux qui viendrait dans un monde comme ça, complètement virtuel, avec sa canne et tout, je crois que vous pouvez rêver les gars, mais moi, ma grand-mère, je sais très bien qu'elle me demande tout le temps pour son PC, parce que, pourtant, franchement, comparé à certains, elle se débrouille pas mal, hein, mais je sais qu'elle a souvent du mal. Alors je vois bien un vieux comme ça, avec une canne de 60-70 ans, mettre un casque de réalité augmentée et se retrouver ici, tu vois. Ah, bref, donc du coup il m'a donné un truc et en gros ce qu'il m'a dit, je voulais passer vite fait, mais bon, je connais, donc je vais être moins attentif sur la première vidéo, parce qu'il faut savoir que bon, comme c'est un tuto et qu'on va avoir du mal à sauvegarder et à avancer dans le jeu jusqu'à la fin du tuto, à la fin donc du prologue, la vidéo risque de durer longtemps, et comme j'ai pas envie que ce soit chiant à regarder pour vous, on va faire en sorte que ça dure pas 3 heures, hein, déjà qu'on va sûrement frôler les 50 minutes. Alors, allez dans une autre zone. Mais en gros, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il savait pas trop où c'était Nowloon, mais il a remarqué dans la zone 1 de Eden qu'il y avait un espèce de drôle de hacker avec une capuche qui pourrait peut-être me donner l'info.
Effectivement, il est là. On va lui parler de Galacta Park à Noloun. Et lui, il va nous dire... je veux partir... c'est ce que tu veux te dire, hein. Ouais, c'est ça. Je vais te montrer la route. Tiens, voilà l'URL. Donc l'adresse en gros, de la zone. Tiens, prends ça. Génial. Oh, super, j'ai l'URL. Du coup, je peux me connecter là-bas. Oui, ce mec est louche, effectivement. Allez, la porte est ouverte. Tu peux aller à Noloun. Oh, c'est cool. Alors du coup, je me casse pas plus la tête que ça, j'y vais. De toute façon, j'ai déjà essayé d'aller voir ailleurs et ça change rien. Donc on retourne à Noloun. Ah, je trouve ça quand même bien stylé, hein. C'est quand même bien foutu. C'est un peu dans... D'ailleurs, je peux vous conseiller aussi un film qui est un peu dans ce type-là, un peu d'univers virtuel, etc. C'était... Comment ça s'appelle déjà ? Summer Wars. Qui est un film d'animation vraiment sympa. Que je vous conseille. Qui parlait un peu de ce genre de truc aussi. Et donc là, bon voilà, on vole pour se rendre à l'endroit dit. Et on vient de voir un mec qui nous a observé. Ah, où est passé tout le monde? Ah, tu dois être en train de plaisanter. Non mais sérieux, t'es en retard. Super en retard. Et puis c'est cet endroit avec plein de jeux, comme un espèce de parc d'air de jeu au Japon et tout. C'est typique clairement de Digimon. Hein. À chaque fois que j'ai joué ou que j'ai vu un anime de Digimon, il y a toujours eu ça quelque part. Désolé, je suis en retard, je m'appelle Claude Jarou. J'ai l'habitude de me connecter sous le pseudo Aiba. Oui, donc on. Est-ce que tu peux. Est-ce que par le plus grand des hasards, tu serais Akino, en gros bon, on se doute bien que c'est elle, hein. Les couettes sont significatives de son avatar qu'on avait vu sur le chat, etc. Et puis, vu comment elle nous parle, elle nous attend, donc on sait très bien que c'est elle. Donc on va juste se présenter, hein. Désolé, je suis en retard, je m'appelle Code Jarou. Ah, hey, yep, moi c'est Akino, c'est la première fois que tu viens à Eden, hein, c'est ça. Mon vrai nom c'est Nokia Shimine. Hello, et vraiment nice. Alors elle te le dit en mode cute et. Enfin, tu sais, je le sens comme ça, mais tu sais, presque chaudesse, genre. Nice to meet you. Voilà. Et mais bon, c'est clairement la. C'est votre Yandere en fait. Hein. Ah, super, on est content. Non. T'es en retard, où est-ce que t'étais? Enfin, tu vois, c'est. Voilà. Il a un peu la Yandere du truc. Me laisser ici toute seule dans un endroit aussi dangereux. Mais qu'est-ce que tu ressentirais si t'étais à ma place? On bat les couilles. Quoi, tu me demandes si Blue Box s'est déjà montré ici? Oui, il s'est montré tout à l'heure, mais. Et puis qu'est-ce que ça peut te faire? Voilà. Non, mais qu'est-ce que tu peux croire ça? Isole. Oh là là, il est genre. Ah, je dois partir et trouver le monstre, et puis d'un seul coup, il s'en va et il me laisse ici tout seul. C'est comme ça qu'il fonctionne, apparemment. 100% comme lui-même, comme à son habitude, quoi, en gros. Juste parce qu'il croit que ça paraît bien, etc. Et alors quoi, un fantôme du garçon pâle, j'ai entendu des rumeurs à ce sujet mais j'ai pas eu de détails, blablabla, bla, bla, on s'en fout. Hein, quoi, non mais franchement, un fantôme dans le cyberespace, mais c'est complètement inscientifique, enfin c'est pas du tout scientifique comme raisonnement, ça fait vraiment aucun sens. C'est pas que je suis vraiment terrifié ou je sais pas quoi, mais d'un seul coup t'as l'autre, donc Blue Box qui arrive derrière qui lui fait... Et Blue Box, c'est le mec qu'on a vu passer tout à l'heure. Donc voilà, c'est le troisième personnage qu'on attendait. Ah, j'ai pas du tout peur, hein, bien sûr. Ah, c'était trop facile. Tu réagis vraiment de façon inconsidérée. Oh là là, Arata, c'est toi. Je pensais que c'était un fantôme. Blablabla. Bon, bref, ils vont se charrier un petit peu. C'est pas comme si c'était un piège, bien sûr.
Ah, on s'est jamais rencontré avant, donc on sait déjà qu'il s'appelle Arata, mais il va se présenter. Je suis Arata Sanada, nice to meet you, blablabla. Donc c'est Blue Box. Ah bah c'est pas du tout une bonne introduction. Bon, ce mec en fait est derrière l'avatar de Blue Box. Il n'est pas exactement comme tu l'imaginais, n'est-ce pas? Dans le chat, il est toujours de façon très considérée, genre un grand frère et tout, machin, blablabla. Ouais, pendant que je t'attendais, j'ai jeté un petit coup d'œil aux alentours. Je pensais que Mister Navit nous aurait suivis pour quand il nous a appelé, blablabla. T'étais pas en train de chercher après le fantôme? Ouais, bon, si, peut-être, un petit peu. au final, j'ai rien trouvé. J'aurais pensé qu'il y aurait un ou deux hackers dans la zone de Nolun, mais au final, y a rien de dangereux ici. Oh, vraiment désolé de vous avoir fait attendre, je suis monsieur Navit, j'ai ce quelque chose pour tous les bons garçons et pour tous les bons garçons et les bonnes filles qui sont venus, qui se sont montrés aujourd'hui. C'est un miraculeux pouvoir qui peut changer le monde. Quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, mon dieu, on est en train de se faire hacker! Un nouveau programme a été installé, le Digimon Capture. Il a complètement brisé mon firewall comme si c'était rien. Digimon Capture, c'est un outil de hacking. Digimon, tu veux dire Digimon Digimon? Comme il était en train d'en parler sur le chat juste avant. Ouais, c'est Digimon. Ce qui t'intéresse tant. Que lui, on dirait presque que c'est un hacker, hein, parce que bon, le mec il a l'air de s'y connaître quand même. Digital Monster, you can capture by scanning. Bon, en gros, tu peux scanner Digimon et les capturer. Ah, Digimon. C'est le raccourci de Digital Monster. Digimon, like, nice to program. C'est pas genre des programmes terribles que les hackers utilisent. Ça veut dire qu'on est devenu des hackers? Oui, je suppose que c'est ça. Blablabla. Bon, c'est un peu. Moi j'ai envie de jouer là. Ouais, c'est l'histoire, on est obligé de s'introduire un petit peu. Ah non, mais c'est vraiment une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas être de la partie, je suis désolé. Je vais complètement supprimer ce programme. Hein, quoi? Mais non, mais vous moquez de moi, on peut pas le désinstaller? Non, mais je crois que ce programme est protégé. On sait, qui peut savoir ce qui se passera si tu essayes de le supprimer? Hein, qu'est-ce que tu veux dire? Et on est espionné. Oh mon dieu, quelqu'un nous a vus! Est-ce que ce serait pas le fantôme dont tout le monde parle? So that was Mr. Navit. Est-ce que c'était Mr. Navit? Je pense pas que le mec se serait mis ici pour venir nous parler. En gros, enfin, je vais me mettre à la place du personnage pendant toute l'histoire. Si je fais un choix, c'est parce que c'est ce que je pense personnellement. Donc là, en gros, le gars, il te propose soit tu te demandes si c'est Mr. Navit, donc le gars qui t'a donné ses fameux pouvoirs et tout, soit il te dit est-ce que c'est possible que ce soit le fantôme dont tout le monde parle. Alors, moi, je pense pas que ce soit Mr. Navit. Le gars te parle par communication digitale et tout le bordel. Je pense pas que le gars ait fait ça, et qui en plus s'est donné la peine de se déplacer réellement jusqu'ici, tu vois, ça n'aurait aucun sens, surtout qu'il était très mal planqué, etc. Enfin bref, ça a l'air quand même d'être un professionnel, je pense pas qu'il aurait fait ça. Donc pour moi, est-ce que c'est possible que ça soit le fantôme dont tout le monde parle? Alors oui, effectivement, une espèce d'ombre comme ça qui passe à l'arrache, ça pourrait être effectivement ce qu'on apparente à un fantôme. Oh, je vais rentrer à la maison. Donc du coup, nous, on vient de là et on peut pas repartir parce qu'il y a un firewall donc qui s'est installé. Bref, du coup, il y a un mur invisible qui s'est mis à la porte de la première zone et on peut rien faire. Ah là là, Arata pourrait être en danger. Allons le chercher. On devrait chercher une sortie par ici. Allons regarder. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher après Arata, parce que la sortie, je me doute bien qu'on la trouvera pas. Hein. Y a un mur bloqué, la zone est fermée, le seul endroit où on peut aller, c'est par là où il est parti.
Donc de toute façon il est parti tout seul et on sait pas ce qu'il attend de l'autre côté. On vient de se faire on vient de se taper un programme de hacker, on est dans une zone qu'on connaît pas. Le mieux c'est de rester groupé, donc on va aller le chercher. Non, je ne viens pas, je veux pas, j'ai pas envie. C'est pas grave, j'y vais tout seul. Salut. Donc elle, c'est un peu la froussarde du groupe, elle va préférer rester ici toute seule. C'est pas grave, qu'à cela ne tienne. Alors, oh là là, j'ai acquis le pouvoir de sauvegarder, mon dieu. Donc en gros, si j'appuie sur triangle, j'ouvre le menu et je peux sauvegarder. Voilà, 26 minutes de jeu déjà. Mon dieu. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une petite médaille qui traîne? Non, donc elle, elle va squatter là. Le firewall, il est ici, on peut pas passer. Génial. Bon, bah on avance, hein. C'est ce que je disais, ça servait à rien de dire on va trouver une sortie. Bah non, je sais très bien, j'ai vu la gueule de la zone, il n'y a qu'un seul chemin où on peut aller, c'est par là où il est parti. Donc on se casse! Et on arrive ici. Ah, vous m'avez vu courir, vous pensiez qu'on était dans une phase de gameplay, hein? Eh ben non. Ça a l'air totalement différent des zones de cyberespace qui font partie des plus hautes sphères de Eden. Aucune trace d'Arata, je devrais aller voir un peu plus loin. Je devrais m'enfoncer un peu plus profondément. Je devrais faire attention. Donc voilà, effectivement, on est dans une phase de gameplay, mais alors c'est juste du pur déplacement. Il va rien nous arriver, il va rien se passer, on va enchaîner les cinématiques. C'est l'intro, quoi. C'est l'intro. Et on va essayer de comprendre un peu l'histoire tous ensemble, parce que moi, cette phase-là, j'ai déjà vu. Et donc, effectivement, on vient de voir un mec un peu translucide qui vient de disparaître. Alors, pas étonnant qu'on parle de fantôme. Hein. Et donc là, on vient de se taper un espèce de bug ou je sais pas quoi. Enfin, et on voit le truc. On voit le mec à moitié transparent téléporté vers nous et tout le bordel. On tombe dans le coma. Et on se réveille, comme si de rien n'était. Non, pas encore. Donc on a quelque chose qui a été inscrit en nous, dans notre code. Alors on sait pas ce que c'est, mais on a un espèce de programme à la con qui vient de s'introduire en nous. Écrit donc dans des lettres digitales. Hein. C'est clairement l'écriture du Digimon, ça. Qu'est-ce que c'était que ça? Donc moi personnellement j'ai pas été très loin dans le jeu, mais je me demande si cette personne n'est pas un Digimon en elle-même. Ou un autre Digisauveur, enfin voilà quoi. Nolone est aussi a l'air aussi dangereux que tout le monde le dit. Qui sait ce qui se passe ici? Ce qui pourrait se passer ici? Je devrais me dépêcher, trouver Arata et sortir de là. Et là tu vois une personne qui du coup bah c'est la même personne qu'avant sauf qu'elle est pas fantomatique cette fois. Enfin quoi que là les cheveux blancs et l'autre avait les cheveux bleus si je dis pas de conneries. Mais sinon c'est sensiblement la même personne. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air. On dirait que tu viens de voir un fantôme. Quoi, t'as vu un fantôme qui me ressemblait? Ah si c'est vrai, alors tu dois sur. Ah. Ce fantôme doit être moi. Quelques personnes m'appellent Wraith of Eden. Putain, c'est quoi Wraith? La calamité, un truc comme ça, la rage, non? Oh, je sais plus, d'Eden. Les gens disent que je ne suis pas de ce monde. Ouais, bref, en gros, il est vachement distrait comme mec et on le remarque pas, surtout. Ah, relaxe-toi, je suis pas un fantôme, je suis vraiment réel, ici, dans les... J'existe pour guider ceux qui se sont perdus comme toi. Et t'as pas dit qu'il était humain. Oh, on dirait qu'on vient d'installer un programme Digimon Capture qui te marque en tant que hacker. Mais tu es toujours un faible hacker, quoi. Pour moi, des boutons. Il y a beaucoup de hackers avec différents buts ici dans Eden.
des hackers chevaleresques qui trouvent et rapportent les trous dans la sécurité, des voleurs qui volent des comptes et qui volent de l'argent et des données. Et ensuite, il y a juste les autres qui sont là pour prouver leur capacité. Vraiment, il y en a vraiment, vraiment, il y a une grande quantité de variétés de hackers. Et toi, quel genre de hacker est-ce que tu as envie de devenir ? Ah ouais, si c'est ta seule réponse, t'es vraiment un débutant dans le hacking. Mais t'es même pas encore sorti de ton œuf. Tu es libre de devenir un hacker si tu veux, ou quelque chose d'autre après tout, c'est tout dépend de toi. Tu es venu ici parce que tu étais intéressé par le hacking et maintenant, à cause de ça, tu te retrouves avec un programme de Digimon Capture installé. Je te demande de donner une chance, enfin de give it a try en gros, donc d'essayer le programme Digimon que t'as reçu. Ok. Bon, on est encore dans un jeu où notre personnage n'a pas de voix. Bon, ben maintenant pour commémorer ta naissance en tant que hacker, je vais te présenter ton premier Digimon. Là, juste derrière toi, il y a un Digimon programme. Ça y est, enfin des Digimon, oh oui! Oh yeah, des Digimon! Petit monstre, tu es le champion! Il y a trois... Alors ouais, ça fait très Pokémon pour le coup, parce qu'on va te demander de choisir entre un des trois. Il y a ici trois différents types de Digimon, mais tu ne peux en prendre qu'un seul. Lequel vas-tu choisir? C'est excessively adorable animal type, the possibly fragrant plant type ou the mechanical looking machine type. Donc en gros, on a un animal kawaii dessiné, complètement mignon. On a une plante qui sent bon. Et on a un rouage mécanique, une machine. Donc moi je veux la définition et tout le bordel. Donc on a un type vaccine, donc un type vaccin avec attribut vent qui s'appelle Teriemon. Ce Digimon, tu veux Teriemon ? Non. Alors je vais vous présenter les trois Digimon et puis ensuite faire mon choix. Je veux Teriemon, de toute façon je le sais, hein, c'est celui que j'ai pris dans mon porte. Ce Digimon, tu veux Palmon, un type data, donc un type données, attribut plante. Attends une seconde. Et l'autre c'est un Agurumon type virus attribut électrique. Ce Digimon, est-ce que tu veux Agurumon? Donc alors, les types et les attributs, vous avez vu que chaque Digimon qu'on nous présente a un type et un attribut différent. Les types et les attributs vont définir la puissance de certains Digimon sur d'autres Digimon. Oui, ça va commencer à devenir compliqué. Effectivement, il y a des pourcentages de coups critiques, etc. suivant l'attribut de votre Digimon et l'attribut de votre adversaire. Donc il faudra faire des équipes intelligentes. Donc on va prendre Teriemon. On est bel et bien dans un RPG. Un RPG tour par tour hein, d'ailleurs. Allez, sors de ta coquille. Il y a différentes étapes requises pour obtenir un Digimon. Si tu découvres ou te bats contre un programme Digimon, lance un scan et tu pourras acquérir les données analysées. Tu peux utiliser ça sans aucune restriction. Mais ce n'est pas juste parce que tu as obtenu des données analysées que ça veut dire que le Digimon programme sera à toi. Tu dois d'abord convertir les données. De lancer le programme Digimon et l'implémenter dans le cyberespace. C'est seulement comme ça que tu pourras avoir un Digital Monster, un programme de hacking. Blablabla. Contrairement au scan, la conversion ne fait pas partie du programme de Digimon Capture. Ouais, plusieurs façons de faire, machin, blablabla. Nous les hackers, on fait comme ça. Dans le but de contrôler le pouvoir, comment il est exercé, je sais pas quoi. Le programme Digimon que tu as choisi est pour l'instant faible.
mais il va grandir, gagner en pouvoir et se dissolver. Quand tu gagnes de l'expérience en tant que hacker, ton programme deviendra beaucoup plus puissant, lui aussi. Un jour, un immense pouvoir pourra être tien. Et quand ce jour viendra, la responsabilité viendra avec lui. Les hackers peuvent être des esprits libres, mais ne doivent jamais succomber au chaos. Ok, jamais. T'as compris ? T'as compris ? Hein ? Sûr que tout ça te monte à la tête, tu vois quoi. Mais garde-le dans un coin de ton esprit pour l'instant. Cependant, posséder un programme de Digimon Capture te donne le statut de hacker. C'est un programme spécial, mais les habilités d'un hacker, sa valeur et ses buts, tout ceci peut être vu différemment si le hacker utilise un programme Digimon. Parce que le premier devoir d'un hacker est de protéger l'ordre dans Eden. Et je serais sûrement très heureux si tu décidais de devenir ce type de hacker au sein d'Eden. Après tout, les hackers font partie d'Eden depuis le début, depuis l'inception. Oh, tu veux le Digimon là, dès maintenant? Ok, donc tu as entendu ce que je voulais te dire, et tu as décidé que tu voulais devenir un fier hacker toi aussi, excellent. Mais arrête de me dire de la merde, je veux mon Digimon. Allez, on va suivre les étapes une par une. Commence avec un stun. Avec un scan. Lance la capture de Digimon et puis... Hein, quoi? Bien sûr, il fallait qu'on se fasse aggro, hein, sinon c'était pas drôle. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Les Digimon s'enfuient, non? Revenez, mes amis, revenez! Ne vous inquiétez pas, on va bientôt terminer la vidéo, on arrive enfin, on va enfin terminer les cinématiques et arriver dans une vraie phase de gameplay, on pourra s'arrêter là. Ah, les Digimon que j'avais préparés pour toi se sont enfuis et se sont barrés. Il y a plein d'autres Digimon qu'on pourra trouver, juste attends un moment. Ça paraît dans un coin comme ça. Et puis Wiz, Backjob, level hacker. Est-ce qu'il a pu être relâché comme une mauvaise blague par un hacker de bas niveau? Ou est-ce que quelqu'un lui a demandé de nous attaquer? Est-ce que tu veux courir après? Tu veux le puissant Digimon? Tu veux un puissant Digimon comme ça? Non, tu ne pourras pas, oublier cette idée. Mais non, je veux pas le puissant Digimon, quoi. Tu es concerné par les Digimon qui sont en train de se faire pourchasser. Tu es vraiment quelqu'un de curieux. Tu es complètement con. En gros, il est en train de lui dire que tu es complètement con si tu crois que tu peux t'interposer dans un combat entre deux programmes. On va lui dire qu'on s'en bat les couilles. Je dois aller l'aider. Moi je suis comme ça, je veux aider les gens. On est dans un shonen, il faut agir comme un héros de shonen. Quoi, c'est ce que tu veux, alors tu vas le faire. Alors vas-y, cours-leur après, c'est ta décision. C'est ce que je vais faire, mon cher ami, c'est ce que je vais faire. D'abord, je vais aller chercher le petit coffre qui est là, qui est indiqué par un cube multicolore sur la map. Puis on va aller lui parler. Et on va y aller. Si, je me casse, t'inquiète. Aïe, tu ne le taperas pas. Ça me fait pas peur, hein. Mais... Bon, si, un petit peu, mais c'est pas grave. Oh boy, you're here, you have this. Ah là là, t'as vraiment l'air d'être un nouveau à ça, hein. Tu crois franchement que tu peux te battre en face à face comme ça, sans monstre, sans... Contre un Digimon sans armes. Bah ouais, c'est moi. C'est le mec qu'on a vu tout à l'heure. Tu es vraiment quelqu'un de curieux. Non, t'es une guimauve en fait, c'est ça. Quelle coïncidence.
Je suis un peu des deux, moi aussi. Alors juste cette fois, laisse-moi t'aider. Pas besoin de faire quoi que ce soit pour le moment. Regarde et apprends. C'est comme ça qu'un vrai hacker utilise ses skills. Donc il va, en gros lui aussi c'est un hacker et il va lui montrer. Et BIM! Il est un des Digimon les plus craqués que j'ai jamais vu. Et donc moi, en fait, le Teriamon veut se battre à mes côtés. On dirait qu'il veut se battre avec toi. Enfin à tes côtés, hein, du coup, et pas contre toi. Il doit avoir quelque chose de bizarre, mais ce Digimon veut maintenant se battre avec à tes côtés. Apprends-lui bien et maîtrise le programme. Donc voilà, en gros, il vient de t'expliquer que t'étais censé le scanner plusieurs fois, puis le rendre réel et tout ce qui s'ensuit pour le dresser. Mais en fait, là, celui-là, il vient directement avec toi. Génial. Donc là, en fait, le truc qu'on vient de voir, la petite jauge de 15%, c'est un scan. C'est-à-dire qu'on vient de scanner l'ennemi et donc on a 15% de ses données. Il nous faut 100% de ses données pour pouvoir avoir ce Digimon. Vous êtes en train de vous dire, mais c'est un monstre, c'est sûrement un boss et tu le rencontreras pas. Alors peut-être que plus tard dans le jeu, ce sera un monstre qu'on pourra croiser. Donc du coup, j'ai déjà 15% de ses données et quand j'aurai les 100%, bah, je pourrai l'avoir pour moi. Voilà. Stat and timeline. Les ennemis ont des stats, blablabla. La timeline c'est sur le côté, la barre d'action. Donc alors les alliés sont en bleu, les ennemis sont en rouge et les invités sont en vert. Voilà, dans la timeline. Pour les battle commandes, bah, on peut attaquer, on peut garder, on peut utiliser un objet, on peut changer de Digimon et on peut utiliser un skill. Donc du coup on va utiliser Teriamon, on va utiliser un skill et on va balancer la Terrier Tornado. Et donc c'est juste bah, un RPG basique. Hein. Ce Digimon est quand même vachement cool. Je me rappelle plus de son nom. Et je le contrôle pas, hein. Il se contrôle tout seul, hein, vous l'avez vu. Donc là Teriamon est un Digimon plutôt rapide. Surtout que j'arrive à me maîtriser et que je dise pas Pokémon. Mais donc c'est un Digimon vachement rapide et du coup il peut attaquer plusieurs fois d'affilée. Thunder for 3! Oh mon dieu, il lui a laissé un pixel pour que je puisse l'achever moi-même. C'est beau. Et donc voilà, je viens de finir mon premier boss. On gagne de l'XP, on level up, on a gagné un skill qui est un soin. Et voilà, c'est cool. Salut! Donc on peut sauvegarder un peu n'importe où, donc on s'arrêtera pas à des points de sauvegarde, on s'arrêtera à des points stratégiques de l'histoire dans le let's play. Parce que oui, je pars sur un let's play, à moins que vous soyez contre et que vous vouliez rester sur cette vidéo de découverte, mais moi je pars sur un let's play je pense. Oh là là, c'est vraiment rare d'obtenir un Digimon sans avoir besoin de le scanner à travers le programme de Digimon Capture. Un programme qui aime une personne. Qui plus est, un programme qui est une personne. Tout ceci est étrange. Tu dois sûrement être un élément irrégulier parmi les hackers. Maintenant, tu es libre de ta carapace. Le reste est entre tes mains. Je m'en vais maintenant. Ok, bah salut. Il faut bien partir. Quoi, un jeune homme avec un regard bizarre. Ah, l'autre personne irrégulière, lui. Il est parti dans la zone un peu plus loin. Par là. Là-bas, là-bas, loin, loin, loin. C'est une ancienne zone d'entrée pour Eden. Ça date de la création d'Eden. Blablabla, c'est une original logout zone. Ça paraît protégé, ne peut pas être utilisé, mais un hacker pourrait probablement le débloquer. Donc on est des hackers, donc on pourra le débloquer, en gros c'est ce que je veux dire. Oui, si je voulais quitter cet endroit, je pense que ça serait une bonne idée d'utiliser cette zone de déconnexion. Ce garçon doit sûrement être capable de le débloquer en un instant. Quoi, il t'a pas dit? Il dit pas qu'il t'a pas dit.
Ah, enfin, en tout cas, c'est pas à moi de te raconter cette histoire, tu ferais mieux l'entendre directement de lui. Bon, il va finir sa cinématique, que je puisse arrêter, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai, je me suis même pas présenté. Bah non, pour l'instant, on t'a appelé le Ghastly Boy, garçon fantomatique. Je m'appelle Hugo de la team Zaxxon. Si tu veux devenir un hacker top tier, donc qui fait partie du top du classement, tu devras un jour battre contre nous. Non, pas contre nous, mais tu devrais sûrement nous rejoindre. Nos portes seront toujours ouvertes pour toi. Je pense pas qu'on va les rejoindre, à mon avis. On va faire cavalier seul, comme d'hab. Ça fait aucun sens de penser à des théories de conspiration. Ouais, peu importe, Arata est plus loin dans cette zone, on va y aller. Bla bla bla. Je devrais aller chercher Nokia. Okay. Donc alors avant d'aller chercher Arata au bout de la zone, on va devoir faire le chemin inverse pour aller chercher Nokia qui est resté au tout début. Donc alors, oui, on a des skills, on peut en équiper plusieurs. Il y a les skills inherited et les skills, je sais pas quoi. Donc en gros, il y a les skills qu'on a de base et il y a les skills qu'on apprend, ni plus ni moins. On peut apprendre jusqu'à 20 skills différents, on peut en équiper que autant. Et une fois qu'on a dépassé les 20 skills, bah, c'est comme dans Pokémon, on doit oublier un skill pour en apprendre un nouveau. Arrête de faire des comparaisons à Pokémon, s'il te plaît. Ah là là, non, il faudrait pas que j'aille par là. D'abord, je dois aller chercher... Nokia. Mais bon. Okay. Donc on fait un retour arrière et justement voilà Nokia et on va s'arrêter là hein, donc sur cette cinématique. Ah, mais où sont partis ces deux-là c'est comme, quoi les hackers pour auraient peut-être pu. Ah une cinématique. Des Digimon, Agumon et Gabumon, yeah! Doucement. Et, okay, et donc nous on arrive à ce moment-là. Ah! Wait, what? Run, 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 run. Bon, ce sera la dernière cinématique et hein, après celle-là. Mais quoi? Mais qu'êtes-vous? Hein quoi, qui nous sommes? Pas qu'est-ce que nous sommes, mais qui nous sommes. Quoi, ça peut parler? C'est tellement adorable. Ah, je suis Nokia, comment vous vous appelez? Moi, mon nom est Agumon, et moi, je suis Gabumon. Agumon et Gabumon, quel nom bizarre. Mais non, ils sont pas bizarres. C'est ton nom à toi qui est bizarre. Quoi, mon nom n'est pas bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Have my thoughts. Absolument cool. Mais je trouve ce jeu tellement pervers. Genre la meuf elle est avec un décolleté gigantesque. Les Digimon la regardent et lui disent. Elle trouve quoi à leur dire à part quoi? Vous êtes complètement absorbé par mes seins. Ça vous laisse sans voix. Ah, je sens quelque chose. Quelque chose de familier. Genre il est en train de la sniffer. T'sais. Quoi? T'es, hein, quoi? Moi je. Oui, quelque chose de familier et de rassurant. Non, mais arrêtez, c'est un petit peu embarrassant. On dirait que c'est sûrement mes phéromones naturelles qui fonctionnent à pleine puissance aujourd'hui. Ouais, elle se sent irrésistible, attirante et tout le bordel quoi. Ça. Elle va vite me gaver. Ouais, t'es vraiment bizarre. Hein, que dire où est-ce que t'étais putain? Quoi, il y a encore une autre personne étrange. Ah, j'ai peur de me faire chasser. Calmez-vous, c'est un ami à moi. Et puis ils vont se barrer du coup. Voilà. Oh là là, ils sont partis. Et qu'était-ce donc ces mignonnes petites choses? Qu'est-ce qui est avec toi? Quoi, c'est un Digimon? Comme les autres petites choses qui étaient là, toutes mignonnes, étaient des Digimon aussi? Mais ces deux Digimon de tout à l'heure et celui-ci, ils ont pas l'air d'être des bad programmes, enfin des mauvais programmes, Digimon.
à avoir des critères aussi mignons que eux. Peut-être vraiment joli. Peut-être que ce programme de Demon Capture ne sera pas si mal après tout. Quoi, il y avait un violent Demon Sauvage aussi. Ça semble super duper scary. Ça m'a l'air super super effrayant. Rata est dans la zone beaucoup plus loin. Ok, je viendrai avec toi. Je viendrai avec toi, on le retrouvera ASAP, donc as soon as possible. Alors ouais, par contre les abréviations anglaises, s'ils commencent à en foutre comme ça, je vous préviens, je vais pas pouvoir. Donc en gros, on va fonctionner comme sur un FF. Comme sur un FF ou un peu, en gros, n'importe quel RPG. C'est-à-dire qu'on va marcher un peu dans la zone à l'arrache. Et on va tomber sur des Digimon qui vont nous tomber dessus. Donc c'est du spawn aléatoire, ils apparaissent pas sur la map, il faut juste marcher et on tombe dessus. Donc là en gros il scanne, il vous dit que bon quand t'arrives à 100%, il est analysé complètement et tu pourras les activer dans le Digilab. Donc là j'utilise la Terrier Tornado qui est une attaque du coup de zone, hein, ça touche tout le monde, c'est un AOE. Et donc je volontairement, en fait je vais profiter... Faites attention à garder la vie pour Digimon. Volontairement on va s'arrêter ici avec notre petite équipe. Ce que je vais faire, c'est qu'entre les deux vidéos je vais level up un peu et on se retrouve pour la partie 2, donc dans pas très longtemps. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que le jeu vous plaît lui aussi. Pour l'instant l'histoire me paraît très intéressante, on est complètement sur un truc à part de Digimon comme ça a pu l'être avant. Là ils mettent en scène, ils mettent en avant le truc genre on est des humains dans un monde de réalité augmentée. Il y a des programmes qu'on appelle des Digimon, mais bon il y a quand même une implication un peu plus lointaine, hein, on le sent. Mais en gros ils mettent en place le fait que les G-Sauveurs sont considérés comme des hackers qui ont le pouvoir de complètement craquer les codes et tout le bordel quoi. Donc on va voir ce que ça donne, pour l'instant ça semble quand même bien parti, et j'ai dans l'idée que la petite Nokia ici présente va avoir deux Digimon à sa solde, et ce sera Agumon et Gabumon. Putain la pute quoi, elle a vraiment du bol. Hein. Parce que bon, si vous avez pas vu la cinématique, je vous la mets à la fin, mais moi j'ai vu un passage dans cette cinématique, je vous la mettrai en fin de vidéo. J'ai vu un passage dans cette cinématique où en fait tu vois qu'elle se tient debout et derrière elle a Omegamon. Et quand tu sais que Omegamon c'est la fusion entre Wargreymon et Metal Gear Greymon, tu dis que c'est louche. Moi je me dis que quand je l'ai vu avec les deux là, ils vont sûrement lui obéir. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le jeu aussi. Vous pouvez mettre un like, un commentaire pour vous abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, en parler autour de vous. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis, à rectifier certaines traductions foireuses que j'ai pu faire, à me donner des conseils aussi sur différentes petites choses, si vous connaissez le jeu ou quoi. Et voilà. On se retrouve la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Et moi je vous dis à bientôt, allez ciao.